Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle saison du Ndimba. Vous connaissez le principe de l'émission. Sur notre plateau, les membres du gouvernement viennent éclairer l'opinion publique sur leur action sans langue de bois, expliquer les réformes en cours de leur département ministériel. Il y a quelques semaines, le Premier ministre, chef du gouvernement, rendait au président de la République son rapport des 100 jours de l'action de son gouvernement. Pour ce premier numéro, nous recevons donc Emmanuel Issozengonde. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir, Madame. Bienvenue à la maison Georges Rabiri pour cette nouvelle saison, un nouveau décor. Et nous remercions d'ailleurs le Musée national qui nous a fait l'honneur de nous prêter quelques pièces uniques de sa collection. Donc, tout au long de cette émission, nous allons pouvoir aborder avec Monsieur le Premier ministre ses prises de décision pour rendre efficace son action, comprendre les orientations de sa politique générale, expliquer et s'expliquer donc sur sa gouvernance. Et bien sûr, on parlera du dialogue politique et de la lutte contre l'enrichissement illicite. Mais avant de démarrer donc dans le vif du sujet, je vais revenir, Monsieur le Premier ministre, sur votre parcours. Emmanuel Issozengonde, vous êtes diplomate de formation et de carrière. Vous avez été en poste en Corée du Sud, à l'Union africaine, ambassadeur permanent aux Nations unies. Et puis, vous acceptez de rentrer dans le gouvernement en 2009 pour prendre donc le poste de ministre de l'énergie des ressources hydrauliques. Suite au décès du président de la République, Omar Bongo Ondimba, vous êtes muté aux relations avec le Parlement et les institutions constitutionnelles. En 2011, vous êtes nommé ministre en charge du budget et de la fonction publique. En 2012, vous acceptez le poste du ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de la francophonie et de l'intégration régionale. Et en 2015, suite à un léger remaniement ministériel, vous êtes promu ministre d'État. À l'issue de l'élection présidentielle d'août dernier, le président de la République vous renouvelle sa confiance et vous nomme Premier ministre, chef du gouvernement. C'était le 28 septembre dernier. Quel parcours, Emmanuel Issozengonde ? On peut dire que c'est un parcours riche, mais c'est surtout un parcours qui m'a permis d'avoir une vue transversale de tous les aspects de la vie de l'État. Et je me félicite d'avoir pu tirer des expériences riches de ce parcours qui me donne aujourd'hui quelques outils à faire valoir dans l'exercice de mes fonctions. Au passage, je voudrais d'abord remercier les chefs d'État, puisque j'ai servi d'abord en tant qu'ambassadeur et grand chef d'État, feu Omar Bongo Ondimba. Oui. Aujourd'hui, je serai un autre grand chef d'État et je remercie ces deux chefs d'État de m'avoir donné la possibilité, l'opportunité d'exercer des fonctions au sein de l'État à ce niveau de responsabilité et de pouvoir leur apporter ma collaboration en toutes circonstances. Vous allez pouvoir donc tout au long de cette émission réagir, mais avant, nous vous proposons de suivre la réaction des Gabonais à propos donc de leur Premier ministre, chef du gouvernement. Je pense que le Premier ministre est assez carré intellectuellement et il a une politique managériale qui permet à ce qu'il y ait un suivi réel de tout ce qui a été dit ou décidé au travers des conseils des ministres avec le chef de l'État. Vraiment, il n'y a rien de concret. Les jeunes sont dans la rue, les jeunes sont à gauche, à droite, rien de concret, il n'y a pas d'emploi. L'argent, je pense, est lapidé dans tout et voilà, et sauf rien d'intéressant pour les jeunes. Jusque-là, tout ce que je pense par rapport à la semaine des jeux au pays, rien de bon. Hein. C'est pas que je suis. Non, excusez-moi le terme, le gouvernement ne travaille pas. Je suis apolitique, donc c'est pas que. Voilà. Et je donnerai même un conseil à mon aîné, par rapport au Premier ministre. Hein. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Issozengonde, ne doit pas se laisser dirigé par des personnes. Parce que nous avons remarqué qu'ici au Gabon, même le président ne dirige plus. C'est juste une seule personne. Et vous tous, comme moi, vous connaissez la personne. Donc, le Premier ministre ne doit pas se laisser enfiancer. Quand il prend des décisions, il doit prendre des décisions exactes et normales. Et ce que je demande au Premier ministre, c'est d'aller tous les jours auprès du président. Il doit être en conclave tous les jours, nuit et jour avec le président. Parce que vraiment, le pays, ça ne va pas. Pour l'opération Mamba, par exemple, c'est une bonne action parce que vraiment, il faut bien que les gens qui ont pris l'argent dans les caisses de l'État, il faut bien que l'argent revienne, afin que nous puissions
aller de l'avant, que nous retrouvons notre, comment dirais-je, que nous retrouvons notre vie économique habituelle. Parce que là, vraiment, on sent que le pays ne va pas bien. C'est quand même compliqué, cette opération, parce que je me dis, il y a eu beaucoup de responsabilités et les torts sont partagés. Quand ils étaient là, quand ils volaient ou bien quand ils détournaient, comment se fait-il que ça ait échappé au contrôle du chef de l'État? Moi, je ne sais pas. Parce que je crois que, bon, il est au courant de tout. Il y a un service de renseignement sur le contrôle financier ou quoi que ce soit. Donc, je crois qu'en fait, il est souvent au parfum de toutes les entrées et les sorties qu'il y a. Et s'il faut traquer, bon, je ne sais pas ce qu'on veut prouver, mais en fait, je ne vois pas la crédibilité de cette opération. Emmanuel Issozengonde, vous venez de suivre la réaction de vos compatriotes. Qu'est-ce que cela vous inspire? Écoutez, dans tout ce que nous venons de suivre, il y a des aspects positifs. C'est très encourageant, il faut en tenir compte. Mais il y a aussi des commentaires qui me laissent dubitatif. Il faut aussi en tenir compte. Et in fine, tout ce constat doit nous amener à avoir un regard critique sur ce que nous faisons. Bien sûr, un des intervenants a eu une appréciation positive de notre approche. Ça nous conforte dans la conviction que le gouvernement doit toujours être dans l'obligation de rendre compte. Rendre compte oui. au chef de l'État, puisque en premier lieu, c'est le chef de l'État qui nous confie la responsabilité de diriger les affaires publiques à ce niveau, mais aussi rendre compte au public, parce que notre action a pour objectif global la satisfaction de l'intérêt général. Je constate que cette approche qui place le gouvernement dans une obligation de reddition des comptes est une approche bien suivie, bien accueillie par la population et nous allons persévérer dans cette approche-là. Pour ce qui est de l'opération Mamba, c'est un engagement fort. C'est oui. un engagement fort. Vous savez, à un moment donné, il faut que le gouvernement, du moins tous ceux qui à un niveau de responsabilité élevé, ont à manier les deniers publics, rendent compte. Absolument. Il faut rendre compte. Nous reviendrons donc sur l'opération Mamba lors de notre thématique économique. Vous avez mais il y a d'abord un jeune, permettez-moi oui. de réagir sur... qui vous a interpellé, le jeune sur qui les relations a, avec sur le la chef. Situation des jeunes. J'ai conscience de la gravité de la situation qu'il présente. Mais il faut dire que le gouvernement n'est pas resté inaudible aux cris de détresse de cette frange importante de la société. Je voudrais rappeler que le chef de l'État a d'abord consacré ce deuxième septennat, ce second septennat, aux jeunes. Oui. Le gouvernement s'attelle à mettre en place une politique générale, à déployer des moyens, des ressources budgétaires pour asseoir cette politique générale destinée aux jeunes. Ça portera sur des domaines divers. Et nous pensons qu'avec l'accompagnement de tous ceux qui sont à la manette, de tous ceux qui font pousser l'administration, tous ceux qui concourent à l'exercice de la puissance publique, nous pensons que nous pourrions, avec un peu d'organisation et surtout de détermination, apporter dans un avenir immédiat des réponses positives aux jeunes qui attendent naturellement un accompagnement effectif de l'État. Également, un chantier important attendu par la communauté nationale, voire internationale. Il s'agit donc du dialogue politique. Pour en parler, nous recevons donc sur notre plateau Stéphane Guémin. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Monsieur le Premier ministre, Stéphane Guémin est journaliste, chef de service politique à l'Agence gabonaise de presse. Bonsoir Monsieur le Premier ministre. Bonsoir Monsieur Stéphane Guémin. Monsieur le Premier ministre, vous avez été nommé au poste de Premier ministre le 28 septembre 2016. Dans le but d'améliorer, de mettre en place la politique visant à améliorer les conditions de vie des Gabonais. Est-ce que ces Gabonais qui vous suivent ce soir, que ce soit au niveau du pays ou à l'extérieur du pays, peuvent-ils vraiment croire en vous? Écoutez, tout homme politique et plus encore le Premier ministre chef de gouvernement souhaite que la population, le pays, lui fasse confiance. Et c'est cette confiance qui nous donne la force de nous attaquer aux défis majeurs qui se présentent à nous.
Le défi majeur pour le gouvernement aujourd'hui, c'est d'améliorer les conditions de vie et de bien-être des populations. C'est notre engagement. Tout gouvernement qui se respecte devrait avoir pour objectif final celui-là. Lors de la présentation de la déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale, j'ai indiqué les grands axes de notre politique économique. L'objectif, naturellement, c'est de développer le pays et de permettre aux Gabonais de tirer les bénéfices de la croissance de notre pays. Il faut donc tout mettre en œuvre pour développer une croissance durable, une croissance inclusive. Et ça permettra aux Gabonais, naturellement, de se sentir concernés par cette politique que nous menons, par l'action du gouvernement que nous déployons dans la mise en œuvre des orientations politiques fixées par le chef de l'État. Et je voudrais bien que la population, les Gabonaises et les Gabonais, croient au gouvernement, parce que le gouvernement est déterminé, le gouvernement est engagé à relever tous les défis et à donner satisfaction aux populations. Justement, Monsieur le Premier ministre, nous allons revenir sur l'interview que vous avez accordée au journal L'Union récemment. Et vous disiez, lors de cette interview, vous avez dit que vous bénéficiez d'un précieux soutien venant du chef de l'État. De quelle manière ce soutien se manifeste-t-il? Ce n'est un secret pour personne. Lorsque le chef de l'État nomme un premier ministre, il pose là un acte de confiance de très haut niveau. Parce que confier à un collaborateur la responsabilité de conduire le gouvernement est un acte de confiance. Et cet acte de confiance est assorti de soutien au quotidien du chef de l'État à l'endroit du premier ministre. Je suis dans un contexte où je peux affirmer que la confiance que le chef de l'État a bien voulu placer à moi est assortie de son soutien. Tous les jours, lorsque nos agendas le permettent, surtout lorsque son agenda le lui permet, il me reçoit en audience et je lui expose les préoccupations rencontrées par le gouvernement, d'abord à mon niveau, mais aussi au niveau des ministres. Je lui fais part d'un certain nombre de préoccupations qui nous sont relayées venant de l'arrière-pays et de tous les acteurs de la société, qu'il s'agisse des jeunes, qu'il s'agisse des femmes, qu'il s'agisse des ouvriers, qu'il s'agisse des opérateurs économiques. Et naturellement, dans ce contexte, nous échangeons, il me donne des indications, des orientations que je me charge par la suite, d'abord à relayer au sein du gouvernement et à mettre en œuvre naturellement en poussant les membres du gouvernement à faire leur travail. Monsieur le Premier ministre, vous avez suivi une des réactions donc, de vos compatriotes. Est-ce que cela veut dire que vous avez les coudées franches? On n'a pas toujours les coudées franches, mais je peux me satisfaire du contexte dans lequel j'exerce mes fonctions. Le président de la République m'a accordé sa confiance. Mmh. C'est à moi de mériter cette confiance-là. Je mets tout en œuvre pour que je puisse être engagé, pour que je puisse avoir une marge de manœuvre suffisamment large pour mener l'action qu'il veut bien me voir mener à la tête du gouvernement. Bien, Monsieur le Premier ministre, abordons maintenant la question du dialogue politique. Nous savons que le président de la République vous a confié la préparation de cette rencontre. À quel niveau en êtes-vous au niveau de l'organisation? Le chef de l'État a bien voulu me confier la préparation du dialogue politique. C'est un engagement qu'il avait pris pendant la campagne présidentielle et même avant la campagne présidentielle. Dans le cadre de ses responsabilités qu'il a bien voulu me confier, j'ai consulté un nombre important de partis politiques et d'acteurs politiques. C'était souvent les consultations officielles, mais aussi les consultations officieuses, parce que, comme vous pouvez bien le savoir, il y a des acteurs politiques qui ont pris des positions et qui ne souhaitaient pas, face au grand public, devant l'opinion publique, d'exposer leur point de vue dans le contexte actuel. Donc j'ai mené des consultations officielles et des consultations officieuses. Je peux vous dire que 52 ou 53 partis ont été consultés pendant les 2 mois durant lesquels j'ai procédé à cet exercice-là. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase de mise en œuvre pratique. Nous allons rapidement lancer les travaux au sein du comité ad hoc paritaire, chargé de préparer de façon pratique le dialogue politique. Ce comité va être mis en place aujourd'hui et demain nous allons entamer les discussions. Le dialogue politique se poursuivra par d'autres phases, une phase populaire et une phase d'exercice politique proprement dit, qui consistera pour les hommes politiques, pour les responsables politiques,
à prendre des décisions sur les sujets qui auront été retenus par l'ensemble de la classe politique comme agenda du dialogue politique. Justement, Monsieur le Premier ministre, nous savons que c'est la quatrième rencontre du genre. Il y a eu en 90 la conférence nationale, après la rencontre de Paris qui a abouti aux accords de Paris, après la rencontre de Libreville qui a conduit aux accords d'Arambo. Quelle est la particularité de ce dialogue qui va avoir lieu? Chaque dialogue ou chaque rencontre politique auquel vous faites allusion répondait à un contexte. Le dialogue politique que nous préparons répond à un autre contexte. Il y a eu une élection présidentielle. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a été réélu. Son élection a été confirmée par la Cour constitutionnelle. Mais il se trouve que pendant la campagne présidentielle et durant la situation post-électorale, il y a eu des tensions. Des tensions qui ont envenimé la classe politique et qui ont créé une sorte de malaise dans la société. Il nous importe, en tant qu'homme politique, de faire baisser ces tensions-là, d'apaiser le climat politique et de voir ce qui, dans le fonctionnement des institutions, n'a pas pu marcher, qui a créé des frustrations et qui nécessite d'être corrigé. Le dialogue politique que nous sommes en train de préparer aura pour objectif, selon même les directives, les orientations fixées par le chef de l'État, et selon la volonté de l'ensemble des hommes politiques, ce dialogue politique aura pour objectif global de donner un nouveau souffle à notre démocratie, de vivifier les institutions politiques, de consolider l'état de droit et en tout cas de créer un nouvel élan à notre système politique en espérant que les conclusions qui en sortiront répondront aux attentes des populations et de l'ensemble de la classe politique. En tout cas, c'est notre engagement. Justement, par rapport à la participation à ce dialogue, beaucoup d'aucuns estiment que ce dialogue n'aura pas de valeur avec l'absence de l'opposant Jean Ping qui est arrivé en deuxième position à l'élection présidentielle. Que répondez-vous? Je voudrais répondre en disant tout d'abord qu'une classe politique ne se résume pas à un seul acteur. Fut-il quelqu'un d'une valeur intrinsèque affirmée, fut-il un ancien candidat à l'élection présidentielle. La classe politique se traduit par des actions, l'existence d'un certain nombre d'acteurs politiques, d'abord des partis politiques, mais aussi des personnalités politiques influentes, ce qu'on appelle généralement les faiseurs d'opinion. Et je peux vous dire que les démarches que nous avons menées jusqu'ici ont convaincu nombre de partis politiques. Au Gabon, il y a près de 54 politiques officiellement reconnues, légalisées. Il y a 53 ou 54 qui ont été consultés, ceux qui, naturellement, sont affiliés ou membres du Conseil national de la démocratie. Ce résultat montre que l'ensemble de la classe politique est engagée à participer à ce dialogue et à porter sa contribution à la réflexion qui sera nourrie, qui sera menée par le gouvernement, par les institutions politiques, par l'ensemble de la société politique sur les préoccupations fondamentales du pays. Donc, le fait pour M. Ping, puisque c'est vous qui dites qu'il ne participera pas au dialogue, pour moi, je n'ai pas encore la réponse effective de sa part indiquant qu'il ne participera pas au dialogue, puisque les consultations se poursuivent. Le fait pour un acteur politique déterminé de ne pas participer au dialogue politique n'enlevera en rien le caractère inclusif du dialogue politique que nous allons organiser. Est-ce que ça veut dire que vous entamez des démarches envers M. Jean Ping? Je vous ai dit que l'appel lancé par le chef de l'État ne s'adresse ni à un camp politique, ni à des acteurs politiques déterminés, c'est à l'ensemble de la classe politique, y compris à M. Ping. Cet appel s'adresse également à M. Ping et à tous ceux qui constituent ce qu'on appelle la galaxie Ping. Et il y a des consultations officielles que nous menons, celles que vous avez vues certainement à la télévision, commentées par la presse, ainsi de suite. Mais au-delà de ces consultations officielles, nous avons des consultations officieuses. C'est comme ça que les choses marchent. Et tant que nous n'avons pas reçu une réponse effective, une fin de non-recevoir effective de la part de tous les acteurs politiques que nous consultons, nous continuons de croire que tous vont participer. Mais si jamais il arrivait que certains d'entre eux finalement ne participent pas à ce dialogue politique, tout laisse bien sûr
à croire que notre dialogue politique, celui qui sera organisé, celui qui est déjà enclenché, puisque nous sommes dans une phase pratique, restera fondamentalement inclusif. Justement, Monsieur le Premier ministre, ce dialogue coûtera combien à l'État? Beaucoup avancent un chiffre qui coûterait des milliards de francs. La paix et la stabilité politique n'ont pas de prix. C'est la réponse que je donne à ceux qui avancent ces chiffres. Merci, Monsieur le Premier ministre. Dernière préoccupation, s'agissant des violences post-électorales survenues au lendemain de la présidentielle de 2016, vous avez déclaré dans les colonnes de l'Union, je vous cite, « À propos des violences post-électorales, le gouvernement a décidé de mettre en place un comité interministériel chargé d'évaluer les dommages et de fixer les modalités d'indemnisation des victimes. » À quand l'opérationnalité de cette structure? Mais cette structure existe déjà. Elle a déjà commencé à siéger au niveau des experts. Nous avons eu à évoquer le sujet au cours des consultations que nous avons menées avec les partis politiques engagés à participer au dialogue politique. C'est une commission interministérielle, donc c'est une commission institutionnelle et les travaux se déroulent déjà au niveau des experts. Pour les Gabonais qui nous écoutent, Monsieur le Premier ministre, est-ce que ça veut dire que suite donc aux violences post-électorales, ils seront indemnisés? C'est à la commission de déterminer. Il faut examiner les dossiers, dans le fond et dans la forme. Il faut évaluer les dégâts qui ont été commis. Il faudrait bien que les personnes qui se disent victimes puissent justifier des dommages qu'ils auront ou qu'elles auront subis. Et c'est à la commission de statuer et de proposer au gouvernement des décisions à prendre. Les solutions sont diverses. Il pourrait s'agir d'indemnisation proprement dite. Il pourrait s'agir de reconnaissance des actions que ces personnes devraient pouvoir mener dans le cadre d'exercice de leurs droits fondamentaux, et bien plus encore. Donc, je ne peux pas vous dire aujourd'hui les résultats auxquels la commission parviendra. Oui. Laissons la commission travailler. Nous devons soutenir cette commission, c'est d'autant plus que nombreux sont les Gabonais qui attendent que cette commission puisse apporter des solutions à leurs préoccupations. Je voulais annoncer au début de cette émission, le Premier ministre, chef du gouvernement, veut imprégner sa patte, laisser son empreinte, un nouveau style de gouvernance, celle des objectifs, des comptes rendus, des vérités. Dire clairement ce que l'on fait et faire impérativement ce que l'on dit. Je vous propose donc, Emmanuel Issa-Zengonde, de suivre cette analyse. C'est son style, sa façon de faire, une méthode même qu'il a commencé à distiller dans tout son gouvernement et à laquelle il tient particulièrement. La méthode Issa-Zé, ou l'art et la manière de travailler avec des objectifs, de rendre compte du travail effectué ou pas, d'oser aussi l'autocritique pour rectifier le tir et faire toujours mieux pour le bien-être des Gabonais. En résumé, une méthode qui consiste à dire clairement ce que l'on fait et à faire impérativement ce que l'on dit, comme l'a expliqué récemment le Premier ministre dans un entretien accordé au journal L'Union, avec dans le fond un seul et même objectif, accélérer le plan stratégique Gabon émergent et promouvoir ainsi l'égalité des chances, principal thème de campagne du président Ali Bongo Ondimba. Depuis sa nomination en septembre dernier au poste de Premier ministre, Emmanuel Issa-Zé N'Gondé impose donc un nouveau type de gouvernance qui incontestablement marque les esprits. Il a eu beau expliquer qu'il n'était pas à l'origine de l'opération Mamba, même s'il a tenu à inscrire la lutte contre la corruption au cœur de l'action gouvernementale, c'est pourtant son nom qui revient quand on parle de lutte contre l'enrichissement illicite et la corruption. Qu'on se le dise, aucun secteur n'échappera à l'exigence d'action du Premier ministre, aucun domaine n'échappera à sa volonté d'être transparent. Le tout dans un climat que le Premier ministre souhaite empreint de sérénité, de solidarité et de patriotisme, avec le soutien du président de la République. Pour cette nouvelle thématique, Emmanuel Issa-Zé N'Gondé, nous recevons Yannick Igoho. Bonsoir Yannick. Bonsoir Patricia. Vous êtes rédacteur en chef donc aux médias en ligne et Gabon Echo, mais également journaliste à Africa numéro 1. Ensemble, nous allons décrypter la méthode Emmanuel Issa-Zé N'Gondé. C'est cela, Patricia. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir. Vous avez décidé de dresser un bilan de votre action tous les trimestres. Vos ministres sont-ils en phase avec cette méthode? Ont-ils le choix? C'est la question que je m'en vais tout de suite vous poser, d'ailleurs.
Avez-vous le pouvoir de sanction quand on sait que durant le premier septennat du chef de l'État, certains de vos prédécesseurs se sont plaints d'avoir eu affaire à des super ministres qui ne répondaient qu'au chef de l'État? Avez-vous le pouvoir de sanction? Je faisais partie des gouvernements qui ont été mis en place durant le premier septennat du président Ali Bongo Ondimba. J'étais ministre du budget, puis ministre aux Affaires étrangères. Donc j'ai pu, à ce niveau-là, suivre un peu l'action du gouvernement, comment elle était structurée et comment elle évoluait. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte plus ou moins différent. Nous sortons d'une élection présidentielle, alors que le bilan du président de la République durant son premier mandat était globalement positif. Il y a eu des dysfonctionnements, des erreurs. De casting. Je ne parle pas des castings, je parle de l'action du gouvernement. Il y a eu des dysfonctionnements, des erreurs qui ont contribué à plomber ce budget et qui ont contribué à semer une sorte de confusion autour du bilan plutôt positif de l'action du président de la République durant son premier mandat. Nous ne voulons pas répéter ces erreurs. Et dans cette perspective, dans cet objectif, le gouvernement est un groupe soudé. À la tête de ce gouvernement, il y a un Premier ministre. C'est le Premier ministre qui dicte le rythme de l'action du gouvernement. C'est le Premier ministre qui fixe les objectifs du gouvernement. Et c'est le Premier ministre qui met en place les mécanismes d'évaluation de l'action globale du gouvernement, mais aussi de l'action de chaque ministre. Alors, dans ce contexte-là, j'assume mes responsabilités pleinement. J'ai la confiance du chef de l'État. Le ministre qui, bien sûr, ne sera pas totalement en phase avec l'action gouvernementale, sera rappelé à l'ordre et le chef de l'État et moi-même, nous aurons bien sûr à prendre les directives nécessaires s'il en faut. Emmanuel Sozengonde, évoquons à présent l'une des questions brûlantes de l'actualité, celle relative aux arrestations d'anciens ministres et aux cadres proches du président de la République. S'agit-il d'une chasse aux sorcières comme cela semble être perçu dans une certaine frange de l'opinion publique? Ce n'est pas une chasse aux sorcières. Il vous souviendra, et je l'ai dit dans l'interview que j'ai accordée à l'Union, il vous souviendra que pendant la tournée républicaine que le chef de l'État avait eu à faire juste avant la campagne présidentielle, dans son discours, il insistait sur la nécessité de mettre un terme à l'impunité. Thème qu'il a largement repris aussi dans son discours de campagne. Il vous souviendra aussi que dans ma déclaration de politique générale, j'avais fixé la lutte contre la corruption, la grande corruption, comme un des objectifs de l'action du gouvernement. Aujourd'hui, l'opération mandat n'est que l'opérationnalisation de ses engagements politiques. Il ne s'agit pas d'une chasse aux sorcières, il s'agit d'une volonté du gouvernement d'assainir les finances publiques et de montrer à l'opinion publique que l'État doit fonctionner dans des règles de transparence. Ceux qui ont la charge au quotidien de manier les deniers publics doivent être irréprochables de toute accusation, de tout travers. Et c'est tout à fait normal que nous engageons aujourd'hui, dans le cadre de cette opération d'assainissement, une opération de grande envergure, de lutte contre la grande corruption. Il ne s'agit pas de chasse aux sorcières. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi d'insister, vous nous dites ce soir qu'il ne s'agit pas d'une traque aux Akrombesi Boy, comme on le dit dans la presse. Je ne sais pas s'il y a des Akrombesi Boy, en tout cas ça doit être une invention de la presse. Il s'agit pour l'État, pour le gouvernement en l'occurrence, d'engager une action d'envergure pour assainir les finances publiques. Parmi les personnalités inculpées figure Magloire Gambia, accusé d'avoir détourné 500 milliards de francs CFA en attendant la tenue d'un éventuel procès. Une question taraude l'esprit des Gabonais. Ces derniers se demandent comment pareille somme a-t-elle pu être subtilisée des comptes publics? Est-ce à dire qu'il n'y a aucune traçabilité dans l'administration? D'abord, attendons voir ce que l'instruction donnera. Ces opérations sont menées sur la base d'un certain nombre de principes, les principes fondateurs de l'état de droit. Il y a d'abord la présomption d'innocence, parce que même lorsque quelqu'un fait l'objet d'une instruction judiciaire, tant que la décision de justice n'est pas rendue, cette personne est présumée innocente. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est le respect de l'instruction. Ce qui se fait dans le cadre de l'instruction, ce qui se dit
dans des bureaux ou dans l'espace où l'instruction est menée ne doit pas être connue du public. Parce qu'il faudra permettre aux personnes inculpées de bien préparer leur défense et de ne pas subir la pression de l'opinion publique. Et troisième principe, il faut laisser aux juridictions compétentes, donc aux instances compétentes, la latitude de connaître au fond les sujets ou les affaires dont elles sont saisies. Le respect de ces trois principes est une exigence que le gouvernement formule. Et moi, je ne pourrais pas commenter tout ce qui se dit sur ces affaires. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le gouvernement s'est lancé dans une opération, une vaste opération d'assainissement des finances publiques, une vaste opération de lutte contre la grande corruption. Tous ceux qui présentent des signes de prévarication feront l'objet de ces opérations-là. Monsieur le Premier ministre, vous parliez à l'instant de juridictions compétentes. Et un des acteurs politiques, Mukani Wangu, pour ne pas le citer, évoque le fait que les personnes incriminées ne peuvent qu'être jugées par la Haute Cour de justice. Vous avez un commentaire? Est-ce que nous avons déjà entamé le procès? Vous êtes là pour éclairer l'opinion publique. Posez cette question à Monsieur Wangu. Est-ce que le procès est déjà entamé? Nous sommes dans une phase d'instruction. Et c'est pour ça que j'ai dit que le gouvernement s'emploiera à faire respecter les principes de base que j'ai énoncés. Naturellement, à chaque situation correspond une justice, à chaque affaire correspond une juridiction compétente. Dans le cas d'espèce, il y a des juridictions compétentes qui sont prévues ou consacrées par nos textes fondateurs. Le gouvernement s'emploiera toute transparence, justement, à engager toutes les procédures. La juridiction compétente serait justement cette haute cour de justice qui n'est pas encore mise en place. Elle sera mise en place. La haute cour de justice est une juridiction ponctuelle. Oui. Il y a toute une procédure qui est définie par les textes de loi, par la Constitution, et il nous faut justement enclencher cette procédure-là. Est-ce que cela veut dire que l'instruction ne doit pas être menée? C'est la question qu'il faudra poser à M. Iwango. D'accord. Dans votre déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale, vous avez reconnu le niveau élevé d'endettement du pays, chiffré à 3 177 milliards en 2015. Et dans le même temps, le PSGE initie de nombreux chantiers. Ne pensez-vous pas tomber de nouveau dans le phénomène d'éléphant blanc? Ce qui est vrai, c'est que le niveau d'endettement de l'État aujourd'hui pose quelques soucis au gouvernement. C'est d'autant plus que c'est une dépense qui vient réduire les marges de manœuvre du gouvernement en termes d'investissement public. Mais je voudrais préciser quelque chose. Les directives de convergence de la CEMAC plafonnent ce pourcentage à 70%. Donc au regard des normes de la sous-région, nous ne pouvons pas dire que le Gabon est surendetté. Mais nous sommes bien sûr dans l'obligation d'avoir une politique prudentielle qui nous permettra de maîtriser la dépense publique. Et nous constatons, dans le cadre de cette politique prudentielle, que le niveau d'endettement, pour nous, est élevé, puisqu'il nous faut davantage investir les fonds publics dans des projets structurants, dans des projets porteurs de croissance. Et c'est cette préoccupation que nous avons à l'esprit, et c'est pour ça qu'il nous faut voir le plus rapidement possible comment régler ce problème-là. Pour régler ce problème, le gouvernement ne décide pas seul. Il faudrait une concertation avec toutes les entreprises, tous les opérateurs économiques et qui sont concernés par le problème de l'endettement. Et les discussions que nous avons engagées dans le cadre du dialogue public-privé en cours, préparatoire à une session du Haut Conseil d'investissement, ont pour sujet aussi la dette publique, voir comment résorber ce problème. Vous avez anticipé sur ma question, sur le Haut Conseil d'investissement qui se tiendra dans quelques semaines seulement. Pourquoi ce nouveau cadre? Parce que le gouvernement, sur les hautes instructions du chef de l'État, a décidé d'orienter sa politique de développement vers un rôle important ou un rôle accru du secteur privé. Ça veut dire que c'est vrai que par le passé, c'est l'investissement public qui prédominait dans le financement du développement. Aujourd'hui, nous devons de plus en plus accorder une place de plus en plus grande au secteur privé. Et ça nécessite la mise en place des PPP, des partenariats publics-privés.
quand il ne s'agit pas des investissements directs des opérateurs économiques privés. Et pour créer la confiance entre l'État et les opérateurs privés, il faut mettre en place un cadre de discussion, un cadre de dialogue. Il existe déjà avec la Chambre de commerce. C'est pas la même chose. Peut-être des précisions, Monsieur le Premier ministre. Le Haut Conseil de l'investissement est une instance pour présenter les choses schématiquement, est une instance regroupant le gouvernement et les opérateurs économiques. Ceux qui investissent au Gabon, les entreprises nationales gabonaises, les entreprises étrangères établies au Gabon et celles également, les entreprises qui souhaitent investir au Gabon, qui sont intéressés par les opportunités d'investissement dans notre pays. Et nous avons, dans ce cadre de discussion, des échanges sur des thématiques fondamentales qui touchent la fiscalité, qui touchent le cadre des investissements, qui touchent les secteurs prioritaires porteurs de croissance définis par le gouvernement. Et le tout, c'est de bâtir des options de développement qui mettent à contribution tous les acteurs. Il ne s'agit pas pour le gouvernement, il ne s'agit pas pour l'État de définir seules les options de développement. Il s'agit de susciter un certain nombre d'intérêts, de susciter des vocations aussi, mais surtout intéresser les opérateurs économiques aux options de développement que le gouvernement définit dans le cadre de la politique orientée ou mise en place par le chef de l'État. Il y a également donc un des projets qui a vraiment porter ses fruits. Il y a quelques jours, vous assistiez au lancement de la première récolte du programme Graines à Makoko. Peut-on croire que le Gabon va enfin atteindre son autonomie alimentaire, son autosuffisance alimentaire? Le président de la République, chef de l'État, a, depuis le 1er septennat, engagé le pays dans une politique de diversification de notre production de base. Par le passé, c'était le pétrole qui était le secteur porteur de notre croissance. Oui. C'était le secteur porteur de notre développement. C'était le secteur qui permettait à l'État d'engranger des ressources budgétaires importantes pour soutenir son action. Ce paradigme est dépassé. Il nous faut diversifier notre production de base en développant d'autres secteurs tels que l'agriculture, tels que le tourisme, les transports et j'en passe. Et l'agriculture joue un rôle important. Dans le cadre du développement du secteur agricole, il y a un projet emblématique, c'est le projet Graines, qui porte sur le développement de deux filières, les cultures vivrières et puis le palmier à huile. Dans le cadre du développement des cultures vivrières, il y a le manioc, il y a la banane et il y a le piment. À Makoko, c'était le manioc. Oui. Il existe de nombreuses coopératives qui sont intégrées dans le programme Graines. Et ces coopératives sont pour la plupart animées par les femmes. Le contexte dans lequel nous vivons oblige le Gabonais d'abord à revisiter les réalités économiques qui ont prévalu durant ces dernières années et aussi à mettre en place un nouveau mode opératoire. L'action individuelle n'est pas significative de résultats positifs. Il faut voir comment établir des synergies, mutualiser les efforts et le cadre des coopératives mises en place par le programme Graines est un cadre adéquat pour faire prospérer cette nouvelle approche. Alors, Monsieur le Premier ministre, des choses intéressantes sont faites dans le cadre du projet Graines, vous venez de le dire à l'instant, mais il y a également qu'à côté, certaines populations se plaignent du choix que du manioc ou de la banane. Est-ce suffisant pour atteindre l'autosuffisance alimentaire? Ne faut-il pas explorer d'autres cultures? D'abord, il faut rassurer ces Gabonais et leur dire que le programme Graines est un programme évolutif. Nous sommes dans une première phase et nous avons, dans cette première phase, choisi un certain nombre de cultures. Les résultats probants, puisque aujourd'hui nous avons la preuve déjà que le programme Graines est porteur de fruits, les résultats probants vont nous encourager à nous intéresser à d'autres cultures. Naturellement, l'identification de ces cultures se fera sur la base des concertations avec les populations concernées. Au-delà des populations, le programme Graines n'est pas fermé au seul opérateur économique qui accompagne l'État dans la mise en œuvre de ce programme.
d'autres investisseurs sont également invités à s'intéresser et à choisir quelles sont les options qui peuvent les intéresser, qui peuvent les conduire à contribuer au développement du secteur agricole dans notre pays. Le Dimba, Monsieur le Premier, c'est 90 minutes. Nous voulons pouvoir aller jusqu'au bout des thématiques à aborder. Donc avant de passer à la thématique purement économique, nous voulons revenir quand même sur la CAN, qui s'est déroulée donc il y a quelques semaines dans notre pays. Et bientôt, nous abriterons également la CAN des U17. N'est-ce pas une dépense quand même de trop? Est-ce qu'il y a eu vraiment des véritables retombées pour notre pays déjà avec la CAN qui vient de se terminer? La CAN n'est pas essentiellement un événement sportif. La CAN est une opportunité pour l'État qui l'organise de mener tout un programme de développement des infrastructures qui touchent plusieurs secteurs. Le secteur sportif, naturellement, avec la construction des stades, mais il y a le secteur routier. Parce qu'il faut d'abord créer des accès à ces stades. La plupart de ces stades sont en dehors des villes, donc il faut déjà créer des accès à ces stades. Il faut développer le logement autour de ces stades, en tout cas dans les villes qui abritent ces stades. Et il faut également créer des conditions d'accueil, soit des populations ou des amoureux du sport, du football, et toutes les activités connexes qui se déplacent, qui viennent de tout le monde entier. Il faut créer des conditions d'accueil de ces personnalités-là. Ça veut dire qu'il faut développer nos capacités touristiques. Le choix qui a été porté sur le Gabon se justifie par quoi? D'abord, nous avons des infrastructures sportives déjà disponibles, qui ont fait leur preuve pendant la CAN 2017. Naturellement, les jeunes sont au centre du septennat, du deuxième septennat du président de la République, chef de l'État, et il faut donner à ces jeunes-là la possibilité à nouveau de s'exprimer sur tous ces plans-là, parce qu'il n'y a pas que le plan sportif, il y a d'autres activités sociales connexes à un événement sportif. Donc il faut donner aux jeunes gabonais la possibilité de s'exprimer dans le cadre de cette compétition. Et bien sûr, il y a toute une série d'activités qui pourront être développés et dont le pays tirera les bénéfices. Et prétendre que c'est un gâchis, l'organisation d'une compétition sportive n'a jamais été un gâchis. Sinon, des pays en développement n'organiseraient jamais de Coupe du monde de football. Nous sommes à peu près à la moitié de notre émission. Je vais inviter, parce que le débat est très intéressant, mais je vais inviter à présent M. le Premier ministre à changer de décor, parce que nous allons entamer donc la troisième partie. Je vous en prie, M. le Premier ministre. Alors à présent, Monsieur le Premier ministre, je vous propose de suivre ce reportage consacré aux infrastructures. S'il est une réalisation pour laquelle le gouvernement Issoze entend tirer son épingle du jeu, c'est bien le centre hospitalier universitaire Fondation Jeanne Ebory, construit de A à Z avec l'expertise du géant autrichien des infrastructures de santé Vamed. L'inauguration et le lancement officiel des activités de ce nouveau pôle d'excellence en matière de santé maternelle et infantile s'inscrivent dans un proche calendrier. Une occasion pour le gouvernement d'Emmanuel Issoze Ngondé de rappeler sa détermination à accélérer la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent pour maintenir le cap coûte que coûte vers l'égalité des chances, et ce en dépit d'une période budgétaire plutôt austère. Une occasion aussi pour le chef du gouvernement d'imposer une marche à suivre à tous les départements ministériels. Autre secteur tout aussi exemplaire, celui des routes, qui a vu la livraison de l'axe routier Mouilandende, 75 km stratégique pour le développement de la province agricole de l'Angounié. La livraison de l'axe Lubomo-Mugarara, qui garantit le désenclavement du département de Ntougou dans l'Ogooué maritime, toujours dans le sud, ainsi que les travaux de terrassement avant bitumage des 30 derniers kilomètres de l'axe Chibanga-Mayumba, destiné à sortir le chef-lieu de la basse Bagno de son isolement. Même tempo dans le domaine des infrastructures énergétiques, avec par exemple la mise en service de la centrale à gaz de Port-Gentil, 52,5 MW, au service des populations et du développement de l'Ogooué maritime.
Monsieur le Premier ministre, dans le secteur de la santé, des efforts ont été faits, ont été consentis avec la construction des CHU spécialisés aussi bien à Libreville que dans ses environs, à Kanda, au Vendo. Seulement la main d'œuvre d'experts pour tenir donc médical, je veux dire, pour ces centres hospitaliers n'est pas toujours en rendez-vous. Écoutez, il faut d'abord souligner, comme vous l'avez dit, les efforts qui ont été déployés par le gouvernement au cours de ces dernières années dans le secteur de la santé publique, et surtout en termes de construction des infrastructures sanitaires. De nombreux centres hospitaliers ont vu le jour. Oui. Ces centres hospitaliers présentent une expertise pointue qui fait la fierté du Gabon. Maintenant, pour faire fonctionner ces centres hospitaliers, il faut des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes qualifiés qui ont été entraînés au maniement des appareils dont regorgent ces centres hospitaliers. Des hommes et des femmes qui peuvent naturellement mener, appliquer au quotidien, politique de santé publique telle que définie par le chef de l'État, pour améliorer la qualité de l'offre de soins et aussi pour accompagner de façon effective les patients. Bien sûr, le Gabon n'a pas toujours les ressources requises. Il y a un effort de formation à faire. C'est ce que le gouvernement s'attelle. Il y a un programme de formation qui est en cours d'exécution avec des partenaires étrangers. Au niveau national, il y a des efforts qui sont faits également pour mettre nos structures à niveau et permettre à ces structures de dispenser des formations d'un niveau très élevé, comme ça se fait partout ailleurs. Et nous pensons qu'au terme de ce programme de formation, nous allons progressivement apporter des solutions à ces problèmes-là. Mais il y a aussi l'option qui consiste à attirer chez nous des experts internationaux. Il faut créer les conditions pour que ces derniers puissent venir chez nous. Donc il y aura un renforcement avec une expertise étrangère? Bien sûr, cela va de soi. Tous les pays du monde le font. Le Gabon ne pourrait pas ne pas le faire. Et d'ailleurs, il y a un côté positif à faire venir des experts internationaux, c'est que la présence de ces experts dans nos centres hospitaliers, le fait pour eux de pouvoir travailler pendant un certain nombre de temps avec des Gabonais, va favoriser un transfert de compétences et un transfert de savoir qui permettra aux Gabonais d'accéder à ce niveau de connaissances et d'officier de la même manière que des experts l'auront fait pendant leur séjour. Je voudrais souligner pour ce qui est des centres hospitaliers qu'il y a une innovation que nous comptons apporter. C'est le nouveau système managérial des structures de santé. À l'avenir, les centres hospitaliers ne seront plus dirigés tel que ça se fait aujourd'hui ou tel que ça se fait par le passé. Il faut mettre en place un système managérial qui met au centre de l'action, la politique de gestion, des personnalités compétentes qui ont un savoir-faire aigu dans le domaine. Donc ce n'est pas forcément un médecin comme il est de classique de voir un médecin à la tête du centre de santé. Oui, ce n'est pas forcément. Voilà. Exactement. Il faut trouver des personnalités qui ont pour métier la gestion des centres hospitaliers. Aléna, par exemple. C'est une option. Voilà. Monsieur le Premier ministre, si vous permettez, nous allons passer à la crise sociale au Gabon pour la suite de cette émission. Et d'abord, le secteur éducatif qui est en grève depuis plusieurs mois. Lors de la présentation des vœux du Nouvel An au chef de l'État, vous avez évoqué la mise en place d'un plan d'urgence dans le secteur de l'éducation. En quoi consiste-t-il et à quand son effectivité? Il faut d'abord reconnaître que le secteur de l'éducation connaît une crise, mais cette crise ne date pas d'aujourd'hui, elle date d'une trentaine d'années. Et malheureusement, les gouvernements successifs n'ont pas pu trouver des solutions permettant de résoudre au fond cette crise-là. Elle se manifeste encore aujourd'hui et les torts sont partagés. Il faut pouvoir le dire. L'État, le gouvernement a ses responsabilités et nous les assumons. Nous reconnaissons nos erreurs et nous sommes prêts, nous sommes engagés à aller de l'avant, à résoudre ces problèmes-là et à mettre en place des politiques vigoureuses permettant de résorber ou de trouver des solutions aux défis qui se présentent à nous. Il n'y a pas que l'État qui est responsable de cette situation. Les partenaires sociaux ont aussi leur part de responsabilité. Il faut pouvoir le dire, il faut que l'opinion publique le sache. Et bien sûr, il y a des revendications qui sont formulées par ces partenaires sociaux qui sont sensées. Nous sommes soucieux de trouver des réponses
adéquate à ces revendications, tant est que ces revendications puissent contribuer à améliorer notre système éducatif. Mais il faut aller au-delà de ça, il faut aller au-delà. Il faut dépasser nos intérêts personnels, il faut dépasser nos intérêts égoïstes pour mettre l'accent sur l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est la formation de nos jeunes. Et le gouvernement a mis en place un programme à partir de cette année, un programme qui triennal, qui sera financé d'abord par des ressources budgétaires nationales à partir du budget 2017, mais aussi par l'apport de la coopération étrangère. Nous entamons le deuxième trimestre, Monsieur le Premier ministre, pour les Gabonais qui vous écoutent. À quand finalement ce dénouement? Je suis en train de vous dire, vous nous rassurez qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place. Je suis en train de vous dire que la crise date de 30 ans. Voilà. Donc, dans les faits, ce n'est pas demain. Rassurez les Gabonais qui vous écoutent au deuxième trimestre? Je suis en train de vous le dire, madame. La crise date de 30 ans. Ce n'est pas au cours d'une année, il faut le dire. Il faut dire la vérité aux Gabonais. Oui. Une crise qui date de 30 ans ne peut pas être résorbée en une année scolaire. Parce que les efforts à déployer sont immenses en termes de déploiement des ressources humaines, en termes de développement des infrastructures et en termes de contenu académique des programmes. Oui. Il y a tous ces aspects qu'il faut prendre en compte et c'est pour ça que j'en appelle à la responsabilité des uns et des autres. Le gouvernement a pris sa responsabilité et assume ses erreurs et s'engage à sortir de cette situation en déployant des efforts additionnels. À partir de cette année, mon gouvernement, à partir de cette année, va mettre en place un plan d'urgence. Il n'y aura pas d'année blanche pour parler simplement. C'est la question que se posent tous les parents d'élèves. Il n'y aura pas d'année blanche. Mais laissez-moi vous répondre. Les parents d'élèves se posent cette question. Les parents d'élèves se demandent aussi ce que le gouvernement s'apprête à faire pour améliorer les conditions dans lesquelles leurs enfants apprennent. Vous vous focalisez essentiellement sur l'année blanche sans mettre l'accent sur les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est de permettre d'abord, un, à l'enseignant de se sentir dans le confort, de se sentir à l'aise dans le confort de son métier. C'est de permettre à l'enseignant de dispenser des cours de qualité qui permettent à l'enfant, à l'élève, d'accéder à un niveau. On a vu des nouvelles réformes sur la notation, effectivement. Je ne parle pas de ces nouvelles réformes de notation, je parle du contenu académique. Il faut donner un contenu académique suffisamment pointu pour permettre à nos jeunes enfants d'accéder à une connaissance conforme aux exigences de la société moderne. Et ça, ce sont les préoccupations du gouvernement. Naturellement, tout ça ne peut être mis en œuvre que dans la concertation avec les partenaires sociaux. Ce que nous devons dire aux partenaires sociaux, c'est qu'ils ont leurs responsabilités aussi. Et que c'est ensemble que nous devons travailler pour sortir l'éducation nationale de la crise actuelle qui pollue ce domaine depuis une trentaine d'années. Le gouvernement s'engage à ce qu'il n'y ait pas d'année blanche cette année, mais encore faudra-t-il que les partenaires sociaux l'entendent de cette oreille. Votre gouvernement ne gère pas seulement la crise au niveau de l'éducation nationale, Yannick Higo. C'est cela, Patricia, mais si vous permettez, une question avant, toujours en rapport avec l'éducation. Vous parliez de concertation. Va-t-on vers de nouveaux états généraux de l'éducation pour sortir l'école gabonaise de la crise? La concertation est une démarche globale qui va définir l'action de mon gouvernement. Vous vous souviendrez qu'au cours de mes discours, j'ai dit que le gouvernement, au cours de cette année, s'est imposé deux obligations. Une obligation d'action, il faut toujours être dans l'action, et un devoir de vérité. Et c'est ce devoir de vérité qui oblige le gouvernement à toujours être prêt à engager des concertations avec les partenaires sociaux. Nous mettons sur la table des options à choisir, et le moment venu, le gouvernement décide. Et bien sûr, ça n'est pas vrai que pour le secteur de l'éducation nationale. C'est vrai pour l'action globale du gouvernement. Et cette démarche de concertation singularise l'action de mon gouvernement dans tous les secteurs. Monsieur le Premier ministre, depuis votre arrivée à la tête du gouvernement, vous faites face à un front social en ébullition, notamment dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement supérieur. Vous revenez sur l'éducation, nous venons de parler de l'éducation. Oui, mais comme c'est global et transversal, la justice, pour ne citer que ces exemples, comment comptez-vous sortir de ce pétrin entre guillemets? Il n'y a pas de pétrin. Vous êtes serein? Je suis serein, toujours serein. Un Premier ministre, un membre du gouvernement doit toujours rassurer l'opinion publique. Un Premier ministre, un membre du gouvernement doit toujours prendre la mesure des défis qui se posent au gouvernement. Et vous évoquez les grèves qui
mine aujourd'hui le climat social. C'est vrai. Nous comprenons le sens des revendications formulées par certaines corporations. Mais il y a des règles. Il y a des règles. La grève est encadrée par la loi. Autant nous reconnaissons aux partenaires sociaux le droit de grève, autant il leur fait obligation de garantir la continuité du service pendant ces grèves-là. Et nous allons, tout en discutant avec les partenaires sociaux, nous allons tout mettre en œuvre pour que la loi soit respectée, pour que l'autorité de l'État soit rétablie. Le président de la République a placé ce nouveau septennat sous le sceau de la jeunesse. Comment le gouvernement compte-t-il agir dans le cadre de l'employabilité des jeunes pour que ces derniers aient plus accès au travail? D'abord, il faut souligner que l'engagement du gouvernement à mettre en application l'option retenue par le chef de l'État qui consiste à consacrer ce septennat à la jeunesse, l'engagement du gouvernement est profond. Et notre détermination est sans faille. Et cette politique ne concerne pas que le secteur de l'employabilité. Elle concerne plusieurs domaines. Pour ce qui est de l'amélioration de l'employabilité des jeunes, il y a bien sûr le contrat jeune emploi auquel vous faites allusion. Mais au-delà de tout ça, il faut d'abord mettre en place une politique vigoureuse de formation professionnelle. Parce que c'est cette politique de formation professionnelle qui permettra aux jeunes Gabonais d'accéder au métier, aux nouveaux métiers qu'induisent les actions de transformation de notre économie. La diversification de notre économie génère de nouveaux emplois. Il faut que les Gabonais soient outillés pour pouvoir accéder à ces emplois-là. Donc un jeune en emploi ne sera pas un slogan, vous mettez en place les mécanismes. Mais c'est déjà effectif. Dans certaines entreprises, c'est déjà effectif. Il y a des entreprises qui ont déjà pris des jeunes, une vingtaine, une cinquantaine de jeunes, pour leur permettre à travers des stages, à travers des emplois, leur permettre d'accéder au maniement de certaines exigences. De garantir leur autonomie financière. Bien sûr. Monsieur le Premier ministre, puisque nous sommes dans les chiffres, ben nous y restons. Le gouvernement a procédé il y a un an à l'augmentation des salaires des agents publics. Malgré cette action salutaire, force est de constater que la cherté de la vie est toujours poignante sur le panier de la ménagère. Comment votre gouvernement entend-il résoudre ce problème? La lutte contre la cherté de la vie est un engagement de mon gouvernement. Je l'ai dit lors de la déclaration de politique générale. Et vous avez vu que par la suite, le ministère de l'économie et le ministère du commerce ont engagé plusieurs actions. Ce sont des actions se traduisent d'abord par des contrôles des prix. Il faut que la mercuriale réponde aux prix homologués. Donc il faut des actions vis-à-vis des commerçants qui mettent sur le marché, qui mettent à la disposition des consommateurs des produits nécessaires. La vente de ces produits doit répondre au cadre légal fixé pour la normalisation des prix ainsi arrêtés. Mais il y a aussi des actions structurelles qui doivent être menées au niveau du port, parce qu'il y a tout un aspect d'activité économique qui engendre des surplus dans le coût des produits. Et dans ce registre, on peut citer l'allègement de la mesure sur l'importation des véhicules? L'allègement de la mesure sur l'importation des véhicules participe certainement de la lutte contre la cherté de la vie, mais elle ne se résume pas qu'à ça. C'est une mesure économique aussi. C'est une mesure économique aussi. Nous avons compris les gains à obtenir de cet allègement, et c'est pour ça que le gouvernement a pris cette mesure d'allègement. En 2009, le président de la République annonçait la construction de 5000 logements par an. Cet objectif n'avait pas été atteint. Comment votre gouvernement prévoit-il de rattraper ce retard pour permettre aux Gabonais d'accéder au logement social? Il faut redéfinir la politique du logement social. Il ne faut pas décréter des nombres comme ça sans tenir compte du marché, sans tenir compte d'un certain nombre de paramètres. Et aujourd'hui, tirant les leçons de ces échecs, le gouvernement est en train de redéfinir sa politique de logement social. Comment elle va se traduire? L'État n'a pas vocation à construire des logements.
l'État a vocation à mettre à la disposition des opérateurs économiques des parcelles, des sites, des terrains viabilisés, à charge pour les opérateurs économiques, des promoteurs immobiliers, d'investir dans ces parcelles et en fonction de la clientèle, voir quels sont les intrants qui peuvent être mis en avant pour permettre l'accessibilité de la clientèle aux produits proposés. Et c'est toute une politique, c'est tout un nombre de discussions à avoir avec les promoteurs immobiliers et nous allons dans ce sens-là. Nous sommes bien engagés, le gouvernement, je peux le dire, a tiré les leçons des échecs du passé et nous comptons améliorer notre approche, notre politique. Et nous espérons. En sensibilisant les établissements bancaires pour l'accès facilement au crédit, par exemple. Il y a d'abord l'opération qui consisterait à cibler les acquéreurs. Parce qu'il ne suffit pas de construire des logements, il faudrait encore identifier les acquéreurs. Et voir si les acquéreurs sont en capacité d'accéder en propriété à ces logements qui sont proposés. Il y a aussi les établissements bancaires qui rentrent en ligne de compte. Il faut négocier avec eux les politiques de crédit facilitant l'accès. Parce que c'est compliqué quand même. C'est assez compliqué. D'obtenir un crédit. C'est assez compliqué de pouvoir obtenir un crédit, mais ça ne relève pas essentiellement ou exclusivement du gouvernement gabonais. Vous savez que nous sommes dans une communauté régionale et la politique des crédits au Gabon est définie par la COBAC. Il faut tenir compte de ces critères définis par la COBAC et nous allons voir comment exploiter les possibilités qui peuvent s'offrir au gouvernement pour offrir une politique de crédit plus souple et plus proche des besoins des populations. On va rester dans le domaine de l'habitat avec la ESG Veolia et sa concession Yannick. Oui, vous l'annonciez d'ailleurs dans votre discours de politique générale, la fin de la concession signée avec le groupe ESG Veolia pour le 30 juin prochain. Qu'en est-il? Il y a des discussions avec plusieurs opérateurs, y compris avec ESG, qui doit nous proposer un nouveau modèle et c'est au gouvernement de voir si le modèle est viable. Si, bien sûr, au terme de discussion, nous trouvons que la ESG ou Veolia est l'opérateur qui offre le meilleur modèle sur la base des exigences que nous devons clairement formuler, ben nous irons avec cet opérateur. Mais si c'est un autre opérateur, nous irons avec un autre opérateur. Vous avez été ministre de l'énergie et des ressources hydrauliques. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres... Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de libérer justement ce secteur? Le secteur est déjà libéré. Il est déjà libéralisé. Vous avez des... Oui, mais il y a toujours le même concessionnaire quand même. Mais la concession court jusqu'en 2017. Juin 2017. Est-ce que ça veut dire pour simplement que finalement ce ne sera pas seulement le groupe Veolia? Mais puisque je suis en train de vous dire que le secteur est déjà libéralisé, les textes de loi et de règlements qui encadrent juridiquement le secteur de l'énergie ont libéralisé le secteur. Maintenant, l'avenir de la SEG dépendra de la négociation que nous aurons avec d'abord Veolia, puisque c'est l'acteur qui est présent, mais aussi avec d'autres promoteurs. Et ce sont les offres, les modèles économiques les plus viables qui nous seront proposés, qui seront pris en compte. Alors, Monsieur le Premier ministre, beaucoup de Gabonais n'ont pas encore accès à l'électricité, mais surtout à l'eau potable. Qu'est-ce qui est envisagé par le gouvernement pour pallier ces manquements, surtout les Gabonais de l'arrière-pays? Le rapport de la mise en œuvre du programme des 100 jours, des premiers 100 jours du gouvernement, vous avez pu noter que c'est dans le secteur de l'énergie où beaucoup d'actions ont été réalisées à 100%. Donc, c'est vous dire qu'il y a un effort constant, un effort dense qui est mené par le gouvernement dans ce secteur de l'énergie et de l'eau. Le souci du gouvernement, c'est de permettre à un nombre toujours plus grand de Gabonais à accéder à l'eau et l'électricité à des coûts moindres. Et c'est ce que nous faisons. Les efforts peuvent être basés sur des actions du gouvernement, proprement dites, mais aussi sur les actions des opérateurs économiques qui sont invités à investir dans ce secteur-là et qui avec de nouvelles sources d'énergie en partenariat également avec le gouvernement gabonais. Pardon ? En la recherche de nouvelles sources d'énergie. Bien sûr. Merci Yannick Higo d'avoir été des nôtres pour cette partie économique. Dans quelques instants, Stéphane Guéma va nous retrouver sur ce plateau. Monsieur le Premier ministre, on vient d'aborder donc les questions d'énergie. Est-ce qu'il ne serait pas envisageable d'avoir aussi la solution solaire ?
L'énergie solaire photovoltaïque est une option qui est à l'étude en ce moment. Il y a eu quelques expériences qui ont été tentées et nous attendons au niveau du gouvernement déployer des efforts supplémentaires pour mener des projets d'envergure. C'est une solution qu'il faut exploiter pour produire de l'énergie propre. Stéphane, nous vous retrouvons pour aborder ensemble l'aspect international. Merci. Monsieur le Premier ministre, le sommet de l'Union africaine, le 28e sommet, s'est déroulé à Addis Abeba le 30 et 31 janvier dernier. Une des grandes décisions a été le retour du Maroc au sein de l'organisation continentale. Peut-on considérer ce retour comme étant une victoire pour le Gabon quand on sait le rôle que le Gabon a joué dans ce dossier? Le retour du Maroc au sein de l'Union africaine est non seulement une victoire pour le Gabon, au regard des liens étroits qui ont toujours existé entre le Gabon et le Maroc, mais c'est surtout une victoire pour l'Afrique. C'est surtout une victoire pour l'Afrique parce que, sur plusieurs plans, sur plusieurs aspects de l'action que mène l'organisation africaine, qu'il s'agisse de terrorisme, qu'il s'agisse de la préservation de la paix et la stabilité des pays ou du continent, qu'il s'agisse de l'intégration régionale, du développement économique, le Maroc a des atouts à mettre à la disposition du continent africain. Et sur cet angle-là, il était bon que le Maroc revienne retrouver sa place au sein de la famille africaine. Et le Gabon y a contribué. Le Gabon y a contribué au niveau des chefs d'État d'abord. Le chef de l'État gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a joué un rôle crucial dans les démarches qui ont précédé les tractations diplomatiques et puis les négociations au sein de l'Union africaine. Aussi au niveau des ministres des Affaires étrangères, l'autre ministre des Affaires étrangères a beaucoup travaillé avec ses pairs en vue de faire aboutir la procédure de réintégration de l'Union africaine enclenchée par le Maroc. Justement, ce retour est-il un élément de renforcement de coopération entre les deux pays? D'abord, il faut dissocier les engagements du Maroc en direction de l'Afrique qui ont pour cadre l'Union africaine et les engagements du Maroc en direction de l'Afrique qui se déploient dans un cadre bilatéral. La coopération bilatérale entre le Gabon et le Maroc est dense et elle évolue au fur et à mesure dans différents domaines. Ces derniers temps, le secteur économique a été consolidé. La présence d'opérateurs économiques marocains au Gabon est aujourd'hui effective. Au niveau commercial aussi, les échanges commerciaux entre le Gabon et le Maroc ont connu une augmentation significative ces dernières années. Mais au-delà de ce cadre bilatéral, le Maroc entretient avec les pays africains des relations aussi appréciables dans le cadre multilatéral que représente l'Union africaine. Et les deux cadres ne peuvent pas être dissociés. Et c'est pour ça que sur ces deux plans, je confirme, c'est bien pour le Gabon, c'est bien pour l'Afrique, il était nécessaire que le Maroc retrouve la famille africaine. Justement, Monsieur le Premier ministre, lors de ce sommet, ce sommet a été dédié à la jeunesse. La thématique est tournée autour de la jeunesse. Et les chefs d'État et de gouvernement ont pris un engagement d'investir dans les deux secteurs prioritaires, à savoir la santé et l'emploi. Comment le gouvernement compte-t-il s'y prendre pour être conforme à cet engagement pris par les chefs d'État? Au niveau de l'Union africaine, il y a un agenda global de développement dénommé l'agenda 2063 qui a été adopté par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Et cet agenda met un accent particulier sur le rôle de la jeunesse dans le développement du continent, mais aussi de chaque État membre de l'organisation. Il se trouve que il y a une forte coïncidence, sinon une conjonction de vues entre l'agenda 2063 de l'Union africaine et le plan stratégique Gabon émergent, lequel accorde également une place importante à la jeunesse dans son rôle d'acteur économique, dans son rôle d'acteur social et dans son rôle de porteur de l'avenir du pays. Et naturellement, au niveau de l'Union africaine, il y a des directives continentales qui sont fixées, qui sont prescrites, et à chaque État, à charge pour chaque État membre d'intégrer ces directives dans leurs programmes nationaux. Ce qui est à notre avantage, c'est que notre programme
précède l'agenda 2063 de l'Union africaine. Donc vous êtes complètement en phase et ça, ça veut dire que ça, phase, ça ira plus vite. Non seulement nous sommes en phase, on peut dire que le Gabon a devancé, a précédé l'Union africaine dans la prise en compte de la jeunesse comme un acteur important du développement économique et social. Autre décision, la recommandation aux pays africains de se retirer de la CPI. Quelle est la position du gouvernement gabonais? Écoutez, c'est une recommandation qui fait l'objet de large débat au sein de l'Union africaine. Il faut préciser que les États africains partis au statut de Rome sont au nombre de 37 ou 34, si je ne m'abuse. Il y a 54 États membres de l'Union africaine. La décision pour chaque État d'adhérer au statut de Rome ne découle pas d'une décision de l'Union africaine. Donc c'est un acte de souveraineté. Et le Gabon a toujours, bien sûr, déployé, développé des arguments tendant à faire prendre en considération au sein de la communauté internationale les intérêts de l'Afrique. Concernant la CPI, nous avons relevé que cette institution à laquelle le Gabon était apparti, cette institution a tendance à ne prendre en compte que les situations africaines. Ça, nous avons dénoncé. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout de suite prendre la décision d'en sortir. Il faut une large, longue réflexion parce que l'objectif, c'est de ne pas donner à l'opinion publique internationale que nous favorisons l'impunité. Si nous sortons de la CPI, ce qui est peut-être une option à envisager, mais il faudrait trouver des mécanismes alternatifs. Qu'est-ce que nous proposons au sein de l'Union africaine d'abord comme mécanisme pouvant suppléer la CPI, dès lors que l'engagement des pays africains, c'est de lutter contre l'impunité. Impunité en termes de violation des droits de l'homme, impunité en termes de violation des libertés publiques, impunité en termes de violation de la démocratie. Est-ce que justement ce n'est pas au sein de l'Union africaine de pouvoir mettre en place les pressions un petit peu, on va dire, à la CPI pour que les autres continents soient également interpellés par la Cour pénale internationale? L'Union africaine a entrepris un certain nombre de démarches au niveau des chefs d'État, au niveau des ministres, à l'endroit de la CPI, pour faire entendre sa voix. Il y a une véritable parité en tout cas au niveau de la CPI. Elle a fait ces démarches-là, l'Union africaine, mais ce n'est pas pour autant qu'elle a été entendue, parce que la CPI ne concerne pas que les États africains. La CPI présente un spectre très large qui prend en compte des pays européens, des pays asiatiques, des pays africains, des pays américains. Et je vous ai dit, je vous ai précisé que l'Union africaine, c'est 54 États membres. Mais les États africains qui sont États partis au statut de Rome, donc membres de la CPI, ne sont de 34 ou 37. Si je ne m'abuse. Comment voulez-vous qu'une organisation qui comprend en son sein des pays qui ne sont pas États partis d'une autre organisation puisse décider du sort de cette organisation-là? Ça n'a pas de sens. Mais il est intéressant que le débat s'y déroule, et le Gabon a contribué à ce débat-là, qu'il s'agisse des réunions ministérielles, qu'il s'agisse des sommets, et notre chef d'État a fait des contributions demandant ou encourageant l'Union africaine à se doter de ses propres mécanismes tendant à garantir le respect des droits de l'homme et le respect des libertés publiques dans l'espace africain. Sur le Premier ministre, une question d'environnement. Le Gabon a pris part à la COP 22. Nous voulons savoir qu'est-ce que le Gabon y gagne au sortir de cette rencontre. Le Gabon n'a pas seulement pris part à la COP 22. Le Gabon a toujours été, a toujours participé de façon active aux différentes réunions de la COP. La COP 21, qui s'est déroulée à Paris, et qui a été sanctionné par l'adoption de l'accord de Paris sur le climat. Nous avons ratifié cet accord-là avant la tenue de la COP 22. Le Gabon a été présent à la COP 22 au niveau ministériel, au niveau des chefs d'État. Ce qui se passe, c'est quoi? Au cours de ces rencontres, des grandes décisions en matière de protection de l'environnement, des grandes décisions en matière de développement durable sont prises. Il faudrait que ces décisions, pour chaque État membre, il faudrait que ces décisions aient des répercussions ou soient prises en compte dans les plans nationaux. Et pour ce qui est du Gabon, nous pouvons être fiers d'avoir pris un certain nombre de décisions dans le cadre de notre politique environnementale qui ont inspiré les décisions prises au niveau de l'accord. Dernièrement, les eurodéputés ont voté une résolution contre le Gabon et le gouvernement a donné sa position en exprimant son rejet. Aujourd'hui, peut-on dire qu'il y a de l'eau dans le gaz dans les relations entre les deux parties?
Je n'aime pas trop cette expression. Laissez-moi vous dire d'abord que il est de notoriété que les parlementaires européens ont une forte inclination pour les extrêmes. Et ce fort penchant pour les extrêmes, dans le cas d'espèce, est d'autant plus évident que les parlementaires qui sont à l'initiative de cette résolution ont pris cette affaire comme étant une affaire personnelle. Ce sont des personnalités qui veulent en découdre, qui veulent forcément sortir de cette situation la tête haute. Ces parlementaires ont fait leur travail. On connaît leur goût pour les extrêmes, comme je l'ai dit, ils ont fait leur travail. Mais c'est sans impact réel sur d'abord la vie des Gabonais, sur le regard que les populations gabonaises portent sur leurs autorités et au premier rang desquels le président de la République, chef de l'État, puisque cette résolution ne peut pas influencer l'ordonnancement juridique national. Ceci étant dit, il n'y a pas péril en en demeure. Maintenant, ce qui est important, c'est de voir comment la Commission, parce que c'est là que ça devient important, le Parlement européen prend des résolutions, la Commission de l'Union européenne peut ne pas tenir compte de ces résolutions-là. Ce qui est important dans le cas d'espèce, c'est de voir, pour ce qui nous concerne, comment la Commission de l'Union européenne va prendre en compte le contenu de cette résolution du Parlement européen. Et d'abord, il ne faut pas aussi être anxieux, parce que un certain nombre d'aspects pris en compte dans cette résolution figurent déjà dans notre agenda politique national. Les réformes qui sont proposées dans cette résolution font partie de l'agenda du gouvernement. Le dialogue politique tel que préconisé par cette résolution est déjà inscrit dans l'agenda politique du gouvernement et du chef de l'État. Les réformes du code du système électoral sont déjà prises en compte. Ce sont des idées qui sont prises en compte dans notre agenda politique. Donc, il ne peut pas y avoir un bouleversement qui surviendrait dans notre système politique découlant de cette résolution-là. Maintenant, l'avenir. Comment le Gabon apprécie la position que la Commission de l'Union européenne aura par rapport à cette résolution? Et c'est à ce niveau-là que nous devrons faire preuve de beaucoup d'intelligence et de voir comment gérer la relation avec l'Union européenne dans ce contexte. Il faut souligner que si l'Union européenne a décidé d'établir un partenariat avec le Gabon, c'est parce qu'elle y trouve un intérêt. Et que si le Gabon a décidé d'établir un partenariat avec l'Union européenne, c'est parce qu'il y trouve un intérêt. Et il ne peut pas nous arriver au Gabon de brader notre souveraineté pour obtenir quelques dividendes que ce soit en provenance de l'Union européenne. L'Union européenne, si nous examinons bien notre partenariat, a des avantages effectifs qu'elle tire de la coopération avec le Gabon. D'abord, prise comme institution, comme communauté, mais aussi les relations que certains de ses États membres développent avec le Gabon. Et le secteur de la pêche est un secteur économique où l'Union européenne tire des profits importants, substantiels, du partenariat établi avec le Gabon. À quand le prochain dialogue intensifié prévu que vous avez convenu en janvier dernier? Écoutez, il y a entre l'Union européenne et les pays partenaires ACP un mécanisme de concertation au titre de certaines dispositions de l'accord de Cotonou qu'on appelle le dialogue politique. Au Gabon, ce dialogue a deux sessions. Une session au cours du premier semestre et une seconde session au cours du second semestre. Il se trouve que l'Union européenne a proposé un dialogue intensif sur la base d'un autre article de cet accord de Cotonou. Et elle a fait une offre de programme, d'agenda, et nous sommes en train d'examiner la proposition faite par l'Union européenne. Pour les Gabonais qui écoutent M. le Premier ministre, qui nous a fait l'honneur d'être sur notre plateau, votre méthode, c'est parler vrai. Qu'est-ce que Emmanuel Issa-Zengonde pourrait dire au cours de ces 90 minutes? Qu'est-ce qu'il faut retenir du gouvernement Emmanuel Issa-Zengonde?
Ce qu'il faut retenir au terme de notre échange, c'est que d'abord, le gouvernement est résolument engagé pour relancer l'économie et la croissance du pays. Parce que notre développement dépend naturellement de l'inclusivité de notre croissance. Nous avons un plan de relance que nous sommes en train de finaliser et de peaufiner pour accélérer la mise en œuvre du plan stratégique gabon émergent. Nous sommes également engagés à renforcer le dispositif social mis en place au bénéfice des Gabonaises et des Gabonais qui ont besoin, fortement besoin, de l'accompagnement de l'État. Et bien sûr, pour ce qui est des grèves, ce sont des situations préoccupantes. Nous sommes disposés à toujours discuter avec les partenaires sociaux, mais dans le respect de la loi, et l'autorité de l'État doit être également mise en avant. Je vous remercie, Emmanuel Issozengone, d'avoir été notre invité. Vous l'avez, je l'ai dit au début de cette émission, nous sommes entourés de pièces uniques. Êtes-vous amateur d'art gabonais, Monsieur le Premier ministre? Tout Gabonais qui se respecte ne peut être qu'amoureux de son art. Derrière vous, vous avez donc le reliquaire féminin d'origine de la province de la Nyanga. Il y a également, juste derrière moi, la boîte en écorce. Vous savez, le programme Graines, il s'agissait ici de pouvoir conserver les engrains. La chufferie n'était pas en reste avec cette coiffure. Ce bracelet, est-ce que vous savez ce que c'est? C'était un bracelet qui était utilisé dans les sociétés traditionnelles à Nogoué et Vindo. Cette pièce faisait partie du lot de dot qu'on donnait pour acquérir femme comme épouse. C'est parfait. Vous avez bien passé votre test au niveau de l'art national. Je mérite une récompense. Absolument. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation, Monsieur le Premier ministre. Dans une quinzaine de jours, nous recevrons sur notre plateau un de vos collaborateurs pour le même exercice, puisque vous avez donné le ton. Je serai toujours accompagnée de Stéphane Nguema et de Yannick Igo. Merci à l'ensemble de l'équipe technique et à la coordination. Vous avez également suivi cette émission sur les antennes de Radio Gabon. Vous pouvez également poursuivre avec nous le débat sur notre page Facebook.